oublié de me dire quelque chose. Quoi, ma tumeur est enflammée. C'est pas vrai, docteur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais on en meurt de ça. Il y a déjà des métastases. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit tantôt? J'étais dans votre cabinet tout à l'heure. Attendez, je m'assieds, savez-vous? Oh. Et on s'est opéré, ça? Ah oui, d'accord. Et je vais faire de la chimiothérapie, alors. Je vais perdre tous mes cheveux. On ne peut pas non plus. Des rayons. Non plus. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Vous voulez que je remonte à l'hôpital pour m'hospitaliser? Oui, je veux bien. Je suis ici, place à l'auberge, j'attends mon bus pour rentrer chez moi, et voilà que vous me sonnez. Je vais mourir, alors. Seulement 6 semaines. Je devais partir dans un mois, je devais partir en Mexico pour le voyage de ma vie. Et vous me dites que dans 6 semaines, je ne serai plus là. Et enfin, comment osez-vous me dire ça par téléphone? Mais oui, il y a des personnes autour de moi. Et oui, il y a des personnes, mais je ne les connais pas. Mais non, je vais reprendre le bus dans l'autre sens. Vous m'attendez, parce que le bus n'est pas encore là. Je vais remonter à la citadelle. Je vais. Oui, pour me faire hospitaliser d'urgence. Hein. Plus vite c'est soigné, peut-être que c'est guérissable. On ne sait jamais. D'après vous, il y a peu de chance.